Merci de choisir Écho d'Afrique sur DBS pour vous informer. Deuxième jour ce mardi des audiences partiellement virtuelles à la Cour pénale internationale à La Haye de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Sur la table des juges, l'examen de la demande d'un procès en appel formulé par sa procureure Fatou Bensouda à la suite des acquittements des deux hommes reconnus non coupables de crimes contre l'humanité commis en 2010 et 2011. Le bureau de la procureure qui réclame l'invalidation du procès et l'annulation des acquittements s'est attaqué au juge de la chambre de première instance, dénonçant des vices de procédure dans leur décision. Dans cette démarche, il a évoqué le fait que les magistrats avaient remis leur motivation écrite 6 mois après avoir décidé d'acquitter l'ancien président et l'ancien leader des Jeunes Patriotes. Récemment, la Cour pénale internationale avait refusé la demande de liberté sans condition de Laurent Gbagbo, qui a passé 7 ans de détention à La Haye. Elle a cependant assoupli les conditions de sa liberté conditionnelle. L'ex-président est désormais autorisé à quitter la Belgique où il était assigné à résidence depuis son acquittement, à condition que le pays dans lequel il souhaite se rendre accepte au préalable de le recevoir. Au Malawi, près de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce mardi pour élire leur président, plus d'un an après l'annulation historique de la réélection du chef de l'État sortant Peter Mutharika en raison des fraudes massives. 50 000 deux bureaux de vote ont ouvert à travers le pays. 3 candidats sont en lice pour le fauteuil présidentiel. Ils se sont déployés pendant plusieurs semaines au cours d'une campagne qui a ravivé les tensions politiques. Peter Mutharika, 79 ans, au pouvoir depuis 2014, affronte une nouvelle fois dans les urnes le chef de l'opposition Lazarus Chakwera, 65 ans. En concluant sa campagne, le président sortant a exhorté le pays à lui rendre sa victoire. Il a appelé ses partisans à voter massivement pour faire honte à ceux qui ont jeté le discrédit sur sa réélection en 2019. De son côté, Lazarus Chakwera, qui s'est compté sur le soutien du vice-président Saulo Chilima, a dénoncé la corruption et la faillite économique du régime sortant. Le nouveau président de la MEC, Chifundo Kachalé, a promis des élections transparentes assorties aux règles de prévention sanitaire contre la pandémie de nouveau coronavirus, dont 730 cas d'infection et 11 décès ont été recensés au Malawi, selon un dernier bilan officiel. Les résultats de ce scrutin sont attendus d'ici la fin de la semaine. Et puis en Ouganda, des centaines de familles sont sans logement, une conséquence des inondations monstres qui ont ravagé le district de Kasese ces derniers jours. Les rivières Mubuku, Nyamugasani et Nyawamba sont sorties de leurs lits, engloutissant les maisons dans la localité, laissant un paysage désolé, des entreprises éjectées, des populations complètement désemparées et des hôpitaux hors service, alors que la montée des eaux fait craindre une épidémie de choléra. De l'avis des observateurs, les eaux ont atteint des niveaux encore jamais enregistrés depuis 1964 dans ces contrées au sud de l'Ouganda. Pour prévenir une nouvelle vague d'inondations, le gouvernement a décidé de libérer davantage d'eau du lac Victoria, alors que le plan d'eau a lui aussi atteint des niveaux encore jamais enregistrés jusqu'ici. En République centrafricaine, les autorités viennent de durcir les mesures édictées dans le pays pour freiner la propagation du coronavirus. Outre le port du masque obligatoire en public et la réduction des attroupements, les autorités ont revu à la baisse le nombre de personnes devant assister au lever de corps à la morgue, dans l'optique de faire respecter les mesures de distanciation sociale. Désormais, seules 4 personnes sont autorisées pour aller préparer le corps. Le gouvernement prend ainsi le taureau par les cornes face à des populations sans masque et imperméable aux sollicitations relatives aux mesures barrières, alors que le compteur ne fait que grimper avec le nombre d'infections dans le pays. Imposée depuis mars, la Centrafrique a récemment allégé certaines mesures adoptées pour contenir la propagation du coronavirus. La maladie de coronavirus poursuit sa progression dangereuse en Afrique du Sud, avec 61 nouveaux décès dans les dernières 24 heures, portant le nombre total de morts liés à cette pandémie à 1991. Le pays a aussi franchi la barre des 100 000 infections. Le ministère sud-africain de la Santé a annoncé ce lundi dans un communiqué que l'Afrique du Sud recensait désormais 101 590 cas confirmés de COVID-19. La province occidentale du Cap reste la région du pays la plus touchée, d'où sont originaires 1458 des quelques 2 000 morts recensés dans le pays et plus de la moitié des personnes contaminées.
Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique du Sud représente plus de la moitié des infections du coronavirus recensées en Afrique subsaharienne, suivie de près par le Nigeria, 20 000 cas, et le Ghana, 14 000 contaminations. L'Union africaine vient de suspendre le Soudan du Sud en retard sur le paiement de ses cotisations. Juba a cumulé 3 ans d'arriérés de paiement qui s'élèvent à 9 millions de dollars. Le pays de Salva Kiir ne pourra plus participer aux activités de l'organisation panafricaine. Toutefois, il reste toujours membre de l'UA, mais perd ses droits de vote. Avec une population de plus de 12 millions d'âmes, le Soudan du Sud est le plus jeune État au monde. Il est devenu le 54e membre de l'Union africaine le 27 juillet 2011. En octobre dernier, il a failli être suspendu par la Communauté économique de l'Afrique de l'Est à cause d'une dette frôlant les 30 millions de dollars. Le pays a dû verser une avance de 3 millions, expliquant ne pas avoir reçu des aides promises par plusieurs de ses partenaires. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. À très bientôt.